soki nga naza pasteur na yoki mutu aloba popo moko mabe contre ngai bible lobi soki mabe tu la itama oyo tali tama mususu c'est ça la bible qui nous a dit parce que na kati ya saint testament ezaki dans pour dans ay pour day ay pour ay mais dans les temps que nous sommes dans la dispensation du saint esprit la bible jésus nous a pris soit mabe tu la boko ya gauche tali itama ya droite mais pourquoi les gens qui prétendent des hommes de dieu ils ne supportent plus des critiques ou des lésons dit. C'est là ça diminue ou ça ternise l'image de l'église. Vous voyez. Donc, pasteur, il faut avoir un mais il faut avoir un grand cœur. Malgré que c'est un être humain, mais dans certaines choses, il faut avoir la maîtrise. Même si la personne qui a dit des choses, au yébi, parce que c'est facile, mouto a yébi yote, à l'obili kambou. Mais mouto a yébi yote, à peut-être compréhension de la différente. Nambo kanabiso oyo bat balinga la vérité. Et ça, la vérité, c'est que l'oba et qu'on peut laisser bateau basa esprit faible. Donc, c'est les conseils que je donnerai à l'homme de Dieu à des fois, à Ibako se retenir. Pasteur Denis Lessi, à Ibako se retenir à certains moments. Vous voyez, parce que tu vois, quand tu dis les choses et tu es mal compris, il faut aussi qu'on se retire. Oui. Parce que, Azo, qu'on mette Vinaï en danger ainsi que ses enfants. Parce que quand tu as des enfants, quand tu fais quelque chose, il faut penser à ces enfants-là. Oui. Parce que si vous n'êtes pas là, peut-être ces enfants-là, bah, vous en avez même équilibré. Au oh, yo, au pé, sakabango. Aussi, le temps, ça m'a dit, là, yo, nous avons dit, là, nous avons dit, forme, que nous avons guerre, que nous avons dit, prison, et bah, païen, bah, comme nous avons dit, nous avons dit, armes, pour arrêter, yo. Ça, ça diminue vraiment l'humange. Alors, moi, je dirais qu'il doit se ressaisir. Il y a quoi, il propos, il faut tenir devant les gens. Quand tu reçois une information, où ils ont très la personnalité à Moutou, où ils ont très la réputation à Moutou, d'ailleurs, Moutou, déjà, il y a un coup, il donc, il faut que tu aies un coup, gérer ma campagne. Tu es là, corps de Christ, puis il mange, il y a Moutou, tu es là. C'est très important. Notre problème, c'est la prise de conscience. Les gens prétendent être des chrétiens, être des musulmans, parce que nous sommes dans un pays laïque. Mais en réalité, les gens ne respectent pas les principes divins. Si on respecte les principes divins et nous sommes des vrais chrétiens, des vrais musulmans, le vrai, on ne peut pas avoir de tels résultats. Très bien. Donc, notre pays, les gens donnent l'impression comme nous prions, mais en réalité, les gens ne prient pas. Moi, je dis, pour les cas église à moi, au Langui, on n'a pas le succès sans successeur. Cela veut dire, quand quelqu'un a fait des exploits dans son travail, ou dans son ministère, ou dans son entreprise, après sa mort ou son absence, les gens qui doivent les succéder doivent créer l'équilibre ou maintenir les mêmes allures que la personne qui est décédée, il a laissé. Mais quand on sent que le leader n'a pas préparé son successeur, il n'a pas préparer les gens qui doivent les substituer. Cela annonce déjà une inefficacité de son leadership. Donc ça montre que son leadership n'était pas assez efficace. Et aujourd'hui, ça crée des conflits au sein d'une famille. Les gens d'un même papa, d'une maman, d'une même mère, mais ils sont toujours dans les discussions. Ça montre que au départ, l'existence de leurs parents, ils n'ont pas bien préparé leur succession. Moko, il y a sorcellerie. Moi, je dis que nous sommes un peuple sous la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est un loco qui a été zali. Bafoule le bélé. Bafoule par-ci, par-là. Il n'est même pas à mesure. Il y a quoi soit l'environnement, il y a quelques mètres en dako. Donc, la série à Kaleza qui tombe dans la hygiène, il y a un tel environnement, il y a un taxé qui est foutu dans l'État. Mais comme si aujourd'hui l'État est devenu démissionnaire. Et c'est à cette occasion, étant donné un citoyen congolais, je peux dire les pareilles histoires, ça va permettre à ceux que tout améliorer, plutôt avancer par rapport à des années que nous avons consommées après l'indépendance. Heureux mois de juillet, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, nous voici devant vous, Jérémy Luemba, les renards du désert. Alors, salutations spéciales à tous nos abonnés ainsi qu'à tous nos partenaires. Mimi Ndoumé, depuis Mouchinglaba, Mimi Ndoumé, merci beaucoup pour tout. Merci à Yaluzo Mbala de Madrid, les célèbres Dienzundu à Washington, le président Pedro Mutu, leader à jeunesse, association main dans la main depuis la ville Fontaine, mais également partout en France. Le conseiller Papa Philippe Kabouikoun à Fribourg, en Suisse-Irlande. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, nous allons essayer de parler sur l'actualité avec l'homme de Dieu,
le prophète Erika Kitoko qui revient à la maison, l'homme de Dieu. Merci encore une fois pour la visite. Bonjour. Bonjour mon frère Louemba, le Seigneur te bénisse. Merci l'homme de Dieu. Alors, bonne santé, bonne morale. Oui, santé, ça bien, ça va se battre la bisso. Tout ça toujours, on apprend sans zambé parce que ton côté, moi, il y a Sika, moi, il y a J.E. Vraiment, tout ça, initié ma prière dans l'église parce que l'année est presque à la fin. Ton côté, septième mois, il y a un mot significatif dans la spiritualité. C'est pour cela, tout ça toujours, dans le cas, il y a un bon de l'anzambé, en fait, qu'un zambé a éclairé. Peuple naïe, peut éclairer mon cannabis au Congo, peut éclairer mon cannabis au Isola Nabiso, dans le moment où tout allait bosser la bino. Alors, très bien, le Congo célèbre les 64e années de l'indépendance. Je pense que beaucoup de Congolais vont passer qui journée le 30 juin dans la méditation. Nous sommes en train d'observer, et si Kamboke outil depuis 60 jusqu'à nos jours, ça fait 64 ans que nous sommes déjà un État indépendant. Mais le développement, le progrès, le social et consorts posent toujours problème. Yozanga Nzambe, en tant que prophète, est-ce qu'il y a quand même de l'espoir pour cette nation? Et nous prions, nous continuons à prier, mais tout au moins on dirait que les choses sont bloquées. Tu peux dire quoi, l'homme de Dieu? Et le Congo a koebisa bande kobala na biso, toujours fêté. 64e année, il y a indépendance. Mboka na biso za mboka oyo ezali béni. Eza na ba richesse puis de 62 minéraux et tozo mona par rapport ya ndenge tozo indépendance. Malgré mundele ayaki na Congo te pa bongsa Congo, nyoso mundele atika ezaki na ba cause conjoncturelle, na ba cause structurelle. Yango atonga ba école, atonga ba cité lokola ba Tomoni Balemba, Yolo, Bandal. Mais étant donné les citoyens congolais, 64e année y a indépendance, nous devons réfléchir, nous devons bosser pour l'évolution de ce pays. Parce que depuis Mboka et Tikala Kina Mboko Nabiso, Biso Mokoba na Mboka, nga y a remarqué que croissance démographique est comme Ebele. Batmabo Tami Ebele, Batouba Ville et Fongwami, mais il n'y a pas l'organisation. Et Nathalie Photo Moko, na moni ba publié na Facebook, Nathalie Foire Internationale ya Congo, ndenge zaki na pok ya Mobutu, et na ndenge ekoma lelo, na zomona un peu, il y a vraiment obabengaka dégradation. Donc c'est dit, makambo zo beba en plus. C'est pour cela, étant donné citoyen congolais, je prie pour cette nation, afin que Nzamba sa la grâce à permettre Mboka Oyo s'épanouir parce que pays Oyo ils a combattu spirituellement, ils a combattu physiquement. Et puis biso bana ya Congo parce que moi j'ai dit que c'est la spiritualité qui influence le physique. Nous devons retourner à la spiritualité normale pour que Mboka na biso ait avancé. Pour tout le monde lelo batu ba koti ba science et bien Mboka na biso oyza que pour ozwa musala et singo zana kisi. Ils ont la tête sous ce niveau, il y a intellectuel, il y a intellectualisme, c'est-à-dire coefficient intellectuel, ils ont la place, et comme les Kambou, il y a l'obédience spirituelle. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui assument les responsabilités, mais en réalité, ce sont des personnes qui ne sont pas capables de faire quelque chose. Vous voyez, le président de la République peut avoir une idée, il peut avoir une vision, mais l'étape de l'exécution, ça dépend sur les gens qui l'accompagnent. Mais dans notre pays, il y a la plupart de gens dans l'administration, partout au Kenya, on a battu moi, basa mon conduit. Mais au tali niveau d'études naie, aux hommes appelés à la M64, il n'a pas aussi l'expérience moko ou à quoi transmettre même la gêne, mais il veut toujours s'accaparer de la responsabilité. Dans notre pays, Essengi est bénéficié aussi d'une expertise à la gêne, au basa ba nouveau universitaire, ba au basa la connaissance moko mise à jour, ba mes campés, qu'on gagne mon campé, biso moko peuplé en général tous en a conscience. Oui, biso je me suis dit, on boit, les gens boivent, les gens font n'importe quoi, mais tout près de, aux hommes qui environnement la salité, on a cause
il y a indépendance, il y a fait indépendance. Donc profiter ta, toi banata ko kireta ba terrasser. Salongo. Toi ça la ta salongo mo ezala visible parce que salongo la Congo comme nango non visible. C'est-à-dire ba récupérer mbongo mais na souka nango ba ko sala musa ba ri activité de matin jusqu'à 11h. Mais après ouverture ba activité, hôtel musa ba to sala ezate. Donc salité est commis ebelé et puis ozomona ke et ça crée des maladies. Donc ça crée beaucoup de maladies et puis ça signe moko il y a sorcellerie. Moi je dis que nous sommes un peuple sous la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est le loco et l'ingaka, ça a été zali. Ma foule est belé. Ma foule par-ci, par-là. Moutounio Salibosanda Kuna, il n'est même pas à mesure. Il y a quoi soit l'environnement Salibosanda Kuna, quelques mètres en Daku. Donc, la série à Kaleza qui tombe dans ma gamba hygiène, bah, il y a tali ou essai na yo, bah, tel environnement, mon état, ça a été taxé, yo, que fout d'amour dans l'État. Mais comme si aujourd'hui, l'État est devenu démissionnaire. Et c'est à cette occasion, étant donné un citoyen congolais, je peux dire les pareilles histoires, ça va permettre à ceux que tout améliorer, plutôt avancer par rapport à des années que nous avons consommées après l'indépendance. Voilà, ça c'est très bien réfléchi, mais tant que serviteur de Dieu, c'est vrai. Tomoni, ma prière est belle, Zaki, organisée dans le Congo, prions pour la nation, prions pour la nation, ainsi de suite. Tu peux dire quoi? Est-ce que le pays est sous la malédiction? Nous devons quand même causer un peu indépendance spirituelle ou bien comment l'homme de Dieu. Mon frère, continuez à prier ou bien comment. Les Congolais ne prient pas réellement. Parce que les Congolais qui ont prié, mais à tiki beaucoup côté. Congolais qui ont prié, mais tiki sorcellerité. C'est ça qui fait le problème. Les gens prient beaucoup. Est-ce que les gens prient dans la vérité? Au moins, dans Moutaza, cadre ma prière en église, moko X. Est-ce que l'autorité spirituelle n'a déjà 25 000 papa? Il y a une responsabilité, il y a une route, il y a 2 mètres, il y a 100 mètres. Mais voilà les résultats, il y a un travail au Yosali. Moutatongi Makadam, après 2 semaines, Makadam est Panzani. Mais Moutonga Sam est une église XY. Notre problème, c'est la prise de conscience. Les gens prétendent être des chrétiens, être des musulmans, parce que nous sommes dans un pays laïque. Mais en réalité, les gens ne respectent pas les principes divins. Si on respecte les principes divins et nous sommes des vrais chrétiens, des vrais musulmans, le vrai, on ne peut pas avoir de tels résultats. Très bien. Donc, notre pays, les gens ont l'impression comme nous prions, mais en réalité, les gens ne prient pas. Alors, merci, ça c'est très bien dit. Alors, le conflit dans l'église, dans l'assemblée, l'église si femme si combat spirituel que nous a légué les couples Olangi, paix à leurs âmes, papa et maman Olangi, qui ne sont plus de ce monde. Les sept aiglons, bana basala le rôle à composer hiérarchie pour diriger l'église. Et aujourd'hui, l'église est chapeautée par M. Alain Olangi, qui suspend son frère Guy Olangi de toutes les activités liées à l'église. Selon lui, son frère Guy Olangi crée des scandales, azo ternir image à famille Olangi. Et voilà, donc on va mettre de côté. Lui, le petit frère Guy Olangi attaque son grand frère, Aromigo menacé et consort. Et l'imbroglio, le désordre, la cacophonie règne autour de cette église-là que Maman Olangi nous a légué. En dépit de ça, on a appelé le conflit, pasteur Marcelo, Denis Lessi, pasteur Baraka Mugisho, Denis Lessi, et le Denis Lessi a une insécurité. On ne sait pas qui, entre ces deux pasteurs, Marcelo et Baraka, n'a pas menacé Vinaye, et puis on a la polémique autour des hommes de Dieu. Le loco perd de crédibilité. Les gens ne vous acceptent plus. On ne croit plus à vous, les serviteurs de Dieu. C'est à cause de tous ces barbares. Tu peux dire quoi, l'homme de Dieu? Moi, je dirais que, mon frère, il faut savoir que dans notre pays, il y a la plupart des leaders n'ont jamais été préparés pour être des leaders. Moi, je dis, pour le cas église à moi, Olangi, on n'a pas le succès sans successeur. Cela veut dire, quand quelqu'un a fait des exploits dans son travail, ou dans son ministère, ou dans son entreprise, après sa mort ou son absence, les gens qui doivent les succéder doivent créer l'équilibre ou maintenir les mêmes allures que la personne qui est décédée, il a laissé. Mais quand on sent que le leader n'a pas préparé son successeur, il n'a pas préparé les gens qui doivent les substituer, cela annonce déjà une inefficacité de son leadership. Donc ça montre que son leadership n'était pas assez efficace. Et aujourd'hui, ça crée des conflits au sein d'une famille, les gens d'un même papa, d'une maman, d'une même mère, mais ils sont toujours dans les discussions. Ça montre que, au départ, l'existence de leurs parents, ils n'ont pas bien préparé leur succession. Et ce qui compte aussi, avant, il y a coupé sa moto, responsabilité de l'église, à remplacer papa, ton maman,
il faut d'abord appeler ensemble. Parce que Moussoza appelé ensemble, il peut être exposé à commettre beaucoup de bavis dans l'église. Parce que l'église, ils ont œuvre où d'abord ils ont été par le diable. C'est une œuvre où ils ont combattu. Donc c'est comme quelqu'un a transporté un plateau, il y a maki. Donc tu dois avoir beaucoup de la sagesse et de l'intelligence. Mais quand les gens mettent leurs intérêts pécuniaires en premier lieu, ça c'est le bien. Ça peut être aussi l'une des causes et qu'on crée un combat dans le cadre de la bataille. Il y a un autre mot qui est en nous avons des leaders qui ne sont pas équilibrés. Moi je dis que ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont contre Ngaï, ceux qui sont contre Ngaï, c'est ça la Bible qui nous a dit. Parce que dans l'Ancien Testament, ils ont dit dent pour dent, œil pour œil. Hey pour hey. Mais dans les temps que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, la Bible, Jésus nous a appris, soit bien sûr, le bon à gauche, il y a droite. Mais pourquoi les gens qui prétendent des hommes de Dieu, ils ne supportent plus des critiques ou des lésons dites. C'est là, ça diminue ou ça ternise l'image de l'église. Vous voyez. Donc, pasteur, il faut avoir un grand cœur. Malgré que c'est un être humain, mais dans certaines choses, il faut avoir la maîtrise, même si la personne qui a dit des choses au yébi, parce que ça rend facile, mouto a yébioté à l'obéi du kambou. Mais mouto a yébioté à l'obéi du compréhension de choses différentes. Mais un homme de Dieu qui est charismatique, ce qui a yo qui peut m'abîmer pour n'aille jamais au landango. Donc, n'est-ce pas, c'est Marcelo Aroui, jamais au landango. À quoi on a mis le guanate? Parce qu'ils ont diminué, ils ont ternisé, ils mangent, il y a Christ. Parce que nous sommes des leaders d'opinion. Bon, prenons les cas. Moi, dans mon église, avec un peu de kabongo que papa, moi, dans mon simo, tu as un épéné, tu as la couture, à cause de makam, na yebite. Quel conseil aurait donné à cette personne qui est fidèle à ton église? Ah, donc, il doit supporter la bango. Mais il doit supporter ça. Critique. Il doit supporter ça. Parce que lorsqu'on te critique, si tu es innocent, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Même si quelqu'un dit des choses et cause à la faux et cause à la vraie, mais étant donné un leader d'opinion, tu dois avoir un grand cœur. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui maîtrise les moments et des saisons. Alors, des dernières saisons d'insécurité, Paris, Bakoti, Nanda, qu'on est par des hommes non autrement identifiés, cagoulés. Ils ont même tenté ôter à sa vie, menacer, traumatiser, tout ça. Et tu peux dire quoi? Quel conseil donnerez-vous à Denis Lessi? Moi, j'ai... Atika polémique ou bien quoi? Et puis, conseil à donner à Pasteur Marcelo pour le conflit. Na baraka mogisho, plazo pelisara moto toujours. Et voilà quoi. Nambo kanabiso oyo bat balinga la vérité. Et ça, la vérité, moussou soko loba, et qu'on peut léser bateau baza esprit faible. Donc, c'est les conseils que je donnerai à l'homme de Dieu, à des fois, à Ibako se retenir. Nani. Pasteur Denis Lessi, eh ben, qu'on se retenir à certains moments, vous voyez. Parce que, tu vois, quand tu dis les choses et tu es mal compris, il faut aussi qu'on se retire. Oui. Parce que, azo, qu'on mette Vinaye en danger, ainsi que ses enfants. Parce que quand tu as des enfants, quand tu fais quelque chose, il faut penser à ces enfants-là. Oui. Parce que si vous n'êtes pas là, peut-être ces enfants-là, bah, vous en avez même équilibré, au oyo, au pe sakabango. Aussi, le temps, ça, mazo, bate la yo, nous autres, nous obéla, te, aux abonnés, dit, forme, qu'on l'ouka, bah, guerre, bah, kangayo, qu'on ta prison, et bah, païen, bah, comme il l'ouka, t'sais, banda, coupon, bah, nan, bah, armé, pour m'arrêter, yo. Ça, ça diminue vraiment l'humange. Alors, moi, je dirais qu'il doit se ressaisir. Il y a quoi, baba, propos, il faut tenir devant les gens. Quand tu reçois une information, où ils ont très la personnalité à Moutou, où ils ont très la réputation à Moutou. D'ailleurs, Moutou, déjà, Aza y a beaucoup, faut pas qu'on dit. Donc, il faut que vous ayez, il y a quoi, gérer ma campagne. Toba, t'es là, corps de Christ, puis il mange, il y a Moutou, tout ça, là. C'est très important. Mbote bande ko ezanga maman mika mosungi ya population. Nya elibino promotion ya réduction ya 30% na ba produit na biso nyonso tout naturel pe cosmétique. Oui. Ya traitement naturel pe cosmétique. Po na problème ya santé, ndeko za problème ya hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerf sciatique, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi mboudi. Bande koboya ba solution ezali ba kisi ezali ebele eza très efficace to buki ba prix na 30% côté cosmétique toza to ba produit na biso tel que Thémétis, oui. Toza na Thémétis, toza na crème de beauté mika mafuta ya kopakola, toza na savon na biso gommant o ezo traité eza contre ba tache, ba acné, ba bouton pe ba vergeture. Tous allés na savon noir na biso, oui. Ils ont traité, ils ont à l'aise na douche, ils ont protégé contre les mouilles, ils sont très efficaces.
Tozali na crème de visage na biso, ils ont embellir et longue, ils ont rendre longue lisse très propre, très agréable. Tozali na huile d'ananas, solution angoyo pour na ba peau sèche nyo surtout, solution ezali. Tozali na lotion tonique pour na ba ta tampon, tozali na lotion tonique pour na ba o bazan na tampon té mais peau ezali abîmé, tozali na gommage fait à base de café, ils ont rendre longue propre, ils ont longola ba bouton, nyo surtout ils ont kené na ba graisse. Oui. Tozali na pommade à souki pe huile ya souki, ezali très efficace. On a probable libandi, souki kola ka o bien té, ba produit angoyo est très naturel. Très naturel, comme on dit maman Lobi. Pour ma dentiste, cela m'a pété. Il y a un problème. Solo, au dégagement, au transpirant, mingi. Solution, oui, pommade anti-solama pika. Bobo sanate, toza na promotion, réduction à 30%. Na ba produit na biso, nyon sotou. Kote wana to buki na biso. Kote yo, toza na ba kis na biso pe ya poussière, oui. Ya bo koko. Nde kwe siko zali za musika, ba produit ya maezo ya te, ba kis ya poussière ya ngoyo, oko mela, na kaya maladi nyon sotou o mamami katanga ki awa, oko zwa solution na yo. Benga biso, na plus 243, 89, 98, 27, 674. Adresse Nabiso Tozan, la commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue pose numéro A17. Pona stérilité, bande konanga basozo koka ko concevoir te, solution yango yo eye. Papa ozo koka ko pesa zemite, ba kisi yango eye, eza très efficace. Boya ebele, boya ebele, boko zala desite, to buki ba pri, ngay 7e, naza awa. Ngai 7e baga naza awa. Bye. Parce que biloko yo ezo créer un peu moi ba manque ya confiance ya bana nzambe na kat na biso ba leader o tozo kamba mabota ya nzambe. C'est ça en fait. Alors ça c'est très bien dit. Merci beaucoup. Alors pour l'élection quand même ya ndiko na biso Carlos Kalala Baruti qui doit succéder à son père na église Tabernacle Baruti. Basali vote. Et vous avez suivi les images, vous étant que prophète aussi. Vote, on est salami, est-ce crédible ou bien comment? Au moni, biloko et bientôt, moi, Nambo Kanabiso, on n'est pas à mesure de dire certaines choses parce qu'on doit se retenir dans certaines choses, vous voyez. Mais étant qu'un homme spirituel, tant on a au moni, biloko, est-ce que pour quelqu'un soit un leader de l'église, on respecte les statuts ou on fait la vote? La vote ne peut pas se faire dans l'église parce que c'est Dieu qui fait la sélection des gens qui doivent travailler dans son travail. En premier lieu, tu sais une chose, tu peux avoir toutes les intelligences humaines, tu peux avoir toutes les sagesses humaines, mais l'œuvre de Dieu, c'est un travail qui est spirituel. Donc aujourd'hui, quand je vois l'église, on peut entamer une démarche, il y a vote. Pobatia Moutou, leader a conduit une grande église comme l'église Tabernacle Yabarouti. Moi, je trouve ça c'est trop aberrant. Parce que la personne que les gens ont voté, est-ce que c'est Dieu qui l'a voté ou c'est les hommes? Est-ce que la personne là a le sceau de Dieu? C'est ça la question qu'il faut poser. Mais il est le fils biologique de Pasteur Baruti. Oui, j'en disconviens pas. Bah, c'est la même Akila, même sang. Papa, l'appel de Dieu n'est pas un lien de sang. Parce que tous les enfants de David n'étaient pas succédés dans son royaume. Et tous les enfants de David n'ont pas devenu les sacrificataires. Vous voyez, il y a aucun lien. Je sais que quand quelqu'un est chrétien, automatiquement, il va bénéficier grâce à Ozalaba chrétien. Mais il va bénéficier grâce à Ozalaba ministre de Dieu. Quand c'est le ministre de Dieu, il faut recevoir l'appel. Mais quand on voit aujourd'hui, il y a des élections qui sont organisées dans l'église. Moi, je dirais que ça, c'est une mascarade. Les élections sont crédibles. Les élections sont crédibles. Les élections mascarades, les gens font ça pour couvrir justement les jugements des hommes. Mais si la personne, il était établi par Dieu et Dieu avait dit à son papa, après ma mort, et c'est ton enfant qui va succéder, moi je dirais que ça ne vaut pas la peine de faire des élections. Mais papa, là, on a déjà dit que non, j'ai un fils qui s'appelle Carlos. Mais oui. C'est lui qui va me succéder. Mais oui. Si vous et créer Bambri, mais moi, moi petit vote. Donc il fallait pas que les gars n'aient petit vote, il fallait pas exécuter mon papa parce que pas la bongo yoka kinzambe. Maintenant moi je dirais qu'il faut prier beaucoup pour ses frères, il faut prier beaucoup pour cette église parce que quand je vois cette église, namoni église wana batwebele ba panzani. Oh. C'est que je vis. Tabernacle Baruti. J'ai vu le gens ba panzani, namoni église ané panzani à trois dimensions.
nazolo ba ke foko bondela mingi pona ndeko na biso o ya tika Carlos otika na église et puis ko sambela pona peuple wana bazo ke na kati église wana parce que na moni ba panzani alors esali mama na double et diminuer nombre mais effectif y église na moni ba pasteur so ba bimi ba sa église na bango alors et affaibli vision. Donc nous devons prier pour ses frères parce que ses frères aussi est combattu. Je suis en train de voir beaucoup de gens ne sont pas contents de lui, mais ils donnent l'impression comme s'ils sont contents, mais dans les soubassements au fond de leur cœur baza pour ses frères là. Donc ils ont hypocrisie. Ils ont hypocrisie. Ma père voilà. Oui oui, parce qu'ils savent bien que non, papa n'a tout récemment, par contre manifester mes contentements na bango. Mais la plupart des gens, je suis en train de voir basali quelques années batebele babimi et puis namoni désordre et koti makasi parce que ce frère on devait le soutenir parce que namoni charge ba namoni mutabimi ça qui moko monene mazoko s'effondre. Donc dimension ya responsabilité za nango à cause la beaucoup plus attaqué pe combattu et même les collaborateurs oyo ba élire ye bazan ensemble na kata ya collège ba pasteur namoni trois pasteurs ba sali complication bimi na trois dimensions ba mbi batebele. Donc faut ko sambela nzambe asunga musala wana parce que eza perte na ciel lorsque quelqu'un comme un leader akufi na sima nango batu ba pengui to batu ba bosa nzela to batu ba zongi sima to batu ba s'affaiblir là ça serait une perte pour le royaume. C'est pour cela étant donné un oin de Dieu quand je vis ceci là je prie pour le Seigneur Zambe asa la grâce en fait que cet homme aille ba conduire œuvre malam. Alors au sein au départ aux ana message aujourd'hui pour na pasteur Marcelo Tounasi aujourd'hui révélation quand j'ai prié le Seigneur dans il y a deux jours il y a prière na zo mon nzamba zo talisanga na moni pasteur Marcelo na mona zo tambola na chaise roulante. Na moni maboko na likola zo sambela mais makolo e bande ko salati. Nzamba yebi singai na na sambela pona l'homme de Dieu et puis na lancer message oyo bande ko zo na kata corps de Christ ba soutenir pasteur parce que je vis le diable alingi a kota na mutema na a tcha ba stress moko extraordinaire de manière que a se ressaisir après le départ de sa femme. Donc, à perdre confiance. À perdre c'est-à-dire quoi équilibre après avoir perdu sa femme. Alors na moni a kota na mona ba souci après le souci na moni sucre et mati na moni tension et créer bi lomo lokola AVC. Nzamba zo bisanga photo soutenir l'homme de Dieu parce que il est guetté par le diable et il est combattu par rapport à l'événement où il est comme lié. Donc nous devons le soutenir parce que ça n'a pas été belé au bagui dans la tanganaï. Même les gens qui ont contribué, il y a des agents aussi de Satan. Les agents sataniques, il y a qui dans la tanganaï de manière que Baluka va attendre. Mission à Bango, il y a qu'à exterminer la vision de cet homme. Donc, toucher sa femme, c'est une manière de déséquilibrer. Mais Zambazo Bisanga, il faut que nous prions pour cet homme, afin qu'à la fin, à continuer mission. Parce que la mission est élastique. Donc, c'est une mission qui est assez grandiose. Mais dans mon diable a arrêté la mission à travers une maladie d'une manière spontanée, de manière qu'à s'arrêter, à son incapacité à achever la mission. C'est ça que Dieu m'a dit. Donc, nous devons prier beaucoup. Donc, yo moni pasteur, ma soeur, na chaise la chaise roulante. Na mona zo mata do lokoba mata na avion ki na mboka papaya. Lokoba ki ne gozo soin de santé mais na chaise roulante. Donc on a comprendre que le diable il cherche à combattre cet homme. Donc c'est un homme de Dieu quand Dieu nous parle, il nous révèle c'est pour prier en fait que l'événement n'arrive pas. Donc je vis cet homme là d'être conduit juste par chaise roulante mais je vois ses deux pieds ne fonctionnent pas. Donc faut prier pour cet homme, le soutenir dans la prière dans le corps de Christ en fait que Dieu puisse l'aider en fait qu'à l'équilibrer à ses ressources parce que la mort, c'est le chemin de tout homme sur la terre. C'est ça. Alors, merci beaucoup pour ces messages, l'homme de Dieu, le prophète Ereka Kitoko. Nous sommes suivis de partout à travers le monde. Il y a Justin Panzou, le grand Mouyombe. Le célèbre Dienzundu depuis Washington, grand frère propre. Gérard Sadam de Manchester. Je n'oublierai jamais mon président Pedro Mutu, leader à jeunesse. Association Main dans la Main depuis la ville Fontaine, mais également partout la France. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas, les numéros de l'homme de Dieu sont affichés au bas de vos écrans. Pour plus de communications, messages, appels, contacts, il est toujours disponible pour vous répondre et vous soutenir aussi. L'homme de Dieu, à chaque fois, on a TikTok, on a Zamba, Montagne. C'est pour quel objectif, en fait? Aux autres qui ont Zamba, moi, Mingi, aux autres prier, on a tout ça, on a Matiti. Ozolukanine en fait. Mon frère, je te dirais que la vie d'un prophète, c'est une vie de forêt, une vie de sacrifice. Le ministère n'est pas facile. Si vous dormez à la maison des premiers 30, sachez-le bien, c'est impossible de réaliser votre mission. Parce que Christ lui-même, il a fait 40 nuits,
40 jours dans la montagne en train de prier le Seigneur. Mais il était 100% Dieu, 100% l'homme. Donc mon objectif c'est quoi? C'est l'avancement de la mission que Dieu m'a donnée et que je puisse bien faire cela et que le peuple de Dieu soit onction aux Esalis fraîches. Oui, comme ça, les babika, maladie incurable, par-ci, par-là, maladie, sida, infection, hépatite, mais il y a beaucoup de maladies. Oui, il y a des États-Unis, en France, en Europe, en Afrique, partout, il y a des problèmes. Alors, ces gens-là ont besoin de résultats. Donc, étant donné un homme de Dieu, nous devons s'imprégner dans la prière, se porter par-ci, par-là, toujours dans la montagne, en train de chercher la face de Dieu, en fait, qu'en Zambé, à répondre, peuple en Zambé, positivement, dans le problème de Zanango. Alors, bientôt, vous avez menacé, hein, parce que l'actuel ministre de la Justice et des gardes de Sceaux a mettre en garde beaucoup de pasteurs. Bino, bah, pasteur, vous créez l'église, vous venez tout, oui, église, dit église. Et puis, bah, tapage nocturne et diurne, vous avez dit que les gens sont alliés à Bambounda, bah, sainte, le choriste chante un peu partout. On va bientôt vous arrêter et puis on va arrêter vos églises, comme ça s'est fait dans le Rwanda, dans l'Ouganda. Et quel serait votre sort, Bino, bah, pasteur? Vous allez bâtir l'église, le temple du jour au lendemain. Et ce que l'État a écrasé, Bino. Et tu vois quoi comme conséquence dans la population où le lot de a plongé dans le péché, Kindumba, Mouibi, Kuluna. Et sort le peuple, est-ce qu'ils allaient paix ou bien comment? Moi, je dirais que l'église joue un grand rôle dans la société. Et toute décision prise, ça doit suivre les démarches normales. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord en amont et on arrive en aval. Cela veut dire quoi? Il y a ça fait certaines années. Lingala, hein? Il y a beaucoup de temps dans Katambo Kanabiso. Tout ça qui a des difficultés à cause de la personnalité juridique. Bah, on appelle ça F-Nonandé. Et ça qui document Oyo et ben qu'on remplace personnalité juridique. Alors personnalité juridique pour Zwango, c'est une longue procédure et qu'on soit pratiquement une année et qu'on soit payé des agents dépendre la facilité Oyo mutako kutanango. Ça va donc le Zwango pour bana ba relation. Et comment les gens ba relation? On a la relation politique. Vous voyez aux écoles intel au cas où. Mais les autres bah ça a facilité à Zwangote. Mais ils ont document ils ont normal ils ont nango d'une munus aza nango. Mais si qu'on prend mes années une procédure y a qu'au Zwilango ils ont soit ébélé. C'est pour cela ce que l'État a régularisé Makambouana après sa église tant y a qu'au Luka y a qu'au s'équilibrer y a qu'au se régulariser bas dossier wana. Mais ça va être d'une manière brutale et qu'on permet de traiter bah n'anzamba soit ébélé Zambela. Parce que quand vous fermez les églises c'est comme si vous combattez les seigneurs. Oh. Et Bible lobby, si vous combattez l'œuvre de Dieu, si cette œuvre-là, ça vient de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va vous prendre en charge. Mais que Jésus lobby, il y a Kaïsa, tout personne, Kaïsa, il y a Nzambi dans Nzambi. Mais Kaïsa, la paix, il faut aller bande nini, il y a quoi encadrer ma camarade Nzambi. Quand on parle de Kaïsa, là, on voit l'État. Vous voyez, tout le monde a l'État, tout le monde a démission. Mais est-ce contribue quoi dans l'Église contribue beaucoup dans la vie des Congolais. Il y a beaucoup de nos jeunes qui nous encadrent. Au bas, ça va couler le bandit. Bandumba. Bandumba, bandotem, la baba, la bossa, la salité, la mboka, la fin, ça congo. Le loup, comme il va servir, on servit une zambé. Attention, mon frère, mboka, oh, les gens souffrent beaucoup. Mais l'église joue un grand rôle. Quand nous prêchons la parole de Dieu, ça équilibre beaucoup de personnes. Et nous remarquons dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ont raté l'éducation. Éducation familiale. Bazar, éducation du fils. Mais quand ils viennent à l'église, c'est l'église qui recadre les gens. Tu vois pas que ça contribue dans l'avancement d'un pays. L'église joue un grand rôle. C'est le problème de l'organisation. Moi, je ne combats pas l'organisation. L'organisation est un élément important parce que nous avons besoin de désordre de trait. Mais toute loi, ça doit être appliqué, ça doit être adapté au temps ainsi que dans les circonstances. Donc, on ne peut pas réveiller, se réveiller le matin comme ça. Et si on a des gens besoin d'applicabilité, on peut se la rater. Mais il faut parler. Avant de parler, il faut toujours qu'on regarde ma gamme. Pour nous, Ouganda, Kanga, l'église, après, ma PD, ma Komi, ma Tchel, ma Komi, ma lesbienne. Et l'église joue quand même un rôle pour recadrer. Mais oui, l'église joue un grand rôle pour Batba Bimalakata Bilogwana. Vous savez, cet esprit a monté dans la gata d'autre. L'église fait un travail qui est spirituel. Mais tous ces gens-là cherchent, il y a qu'on brutalise ma cambo. Mais sommes tous spirituellement dans la prison. Spirituel. Ataïo, au Kangé, côté na Kacho. Agotika n'est plus en attente. La prison, on a ma pratique. Parce que le dossier, on a deux fois, on va pédé partout dans l'entreprise, dans l'église. Ça vous dit quoi? C'est le satanisme, papa. C'est le satanisme. On est un satanisme. On est un satanisme. On est un satanisme. Donc, tout le monde a pratique. On est des satanistes. Bah, on est un ignorance pour payer 1 000 $. Mais tu as vendu ton âme parce que ça péché, le plus grave.
y a un usage naturel, un usage anormal. Donc, il y a un fini sans zambé ou à salabiso. Donc, zamba salio na voie normale. Ok, na voix normale, yo qui na voix musulmane, dans ça montre que aux offins quand même ils disent mais oh yo akela yo, c'est l'abomination, c'est l'abomination. Oh bah bien l'abomination, on a. Alors, bah tu faut pas apprendre que toutes ces pratiques là, elles ont m'abandon vers l'enfer. Ceux qui ont serré tout le monde à Babylone, Kabongo, Yaka, Bengabiso, toko sambe la pono toko orienté yo, en fait que aux onga un homme normal. Ah bon? C'est ça. Alors merci beaucoup prophète Eric Akitoko. Je crois que plusieurs familles nous ont suivis à travers le monde. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur Équilibre Télévision. Vous êtes plus de 77 000 abonnés aujourd'hui. 77 000 abonnés sur Équilibre Télévision. En tout cas, partagez le lien, tout comme à 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ça sera pour la gloire du Seigneur. Parce qu'ici, ils ont le canal où il y a un message de Dieu, la bonne nouvelle. La parole de Dieu, vous aurez un moment à Équilibre Télévision. Entre-temps, on est là, nous sommes arrivés à la fin. Je laisse peut-être 2-3 minutes à l'homme de Dieu de donner son numéro de contact et puis de dire un message dans une cause en andako peut-être aux obela aux a bloqué ba lien ba réclamation en famille et puis na ba ndeko ba baye ko sambela parce que ba pasteur ba koti ba kabal juif ba trouble ba conflit ba polémique ba tout baza et belé fragilisé spirituellement l'homme de Dieu ba otala biso ko bisabonne. Je dirais à tout le monde qui me suit, nzambe na biso alingi bino mingi. Amen. Au moni saison to koti le toza le premier juillet, ezali moi moko nzamba ibisinga bato ebele fou ba témoigner nzambe. Je vais même partager les audios par-ci par-là parce qu'avant Nayawa, j'ai pris le temps d'être dans la bourse en train de prier le Seigneur. Après l'écriture d'hier, na kengoma na sambeli na tongo na ye pour na pari nzambe. Ozola na ngapeso ali bien aimé nanga biso que situation zo traversée eza pour na gloire ya nzambe et monisama. Parce que Bible ezo bisa biso malade oyo Lazare bande kobela ti akufaki ezaki pour na gloire ya nzambe et monisama. Peut-être ba réalité ozo traversée na vie ezo poussé yo au comme qu'on perd d'espoir, au comme même qu'on a une incrédulité qu'on y mabassa l'ensemble était, mais ngai na lekili bosono pona biso que cette situation c'est pour la gloire de Dieu et s'est manifestée. Ezaki na mamoko ba disciple ba tuni Yesu, ba moni aveugle, ba bisi Jésus. Est-ce que muto yo malade oyo salika botama aveugle? Eza ba parande ba somuki, to papa na bango mama na bango to bande konaye, Yesu bisi bango lobi, tout ça c'est pour la gloire de Dieu s'est manifesté. Oh, la gloire de Dieu, ce que lingé s'est manifesté vese na vie a mutu e ya kapote nzamba lingi a revendiquer honneur na na kata vie na yo parce que okomi deja mutu moko okomi na niveau ya kokoma incrédule okomi na niveau ya kobayé okomi na niveau ya ko se faiblir dans la prière parce que situation na yo ba mari de nuit umeli parce que situation na chômage umeli parce que situation mukande umeli okoma ta mosala nzamba pesio message osomo na ka message wana eso yo kango mingi bien aimé na bisa yo an balobi chaque année en était ainsi na livre 1 Samuel chapitre et le verset 1 à 5. Balobi chaque année en était ainsi. Bien aimé, n'a pas yo, to banda qui a né, au leki mois ya mai, au leki mois ya juin, au leki mois ya avril, to komi na mois ya juillet. Nzambe wana bisinga makamu na yo, faut ozwa solution pour o témoigner. Parce que babi mukolomo kaka an akutani na kati ya temple zo sambela. Sacrificateur elle ya bisie, alobi la femme va en paix. Tango bimi na kata temple, ndenza mapesa ki mwana. Oza na problème ya stérilité, ezwi ba nebele. Vous avez un problème maladie à cancer et vous me dites docteur lobi que après il n'a pas kufa na ngina biso que nzamba biki sakabato azali nengo zo landanga maladie à sucre tension et rejet santé na yo ba biso que maladie oyo et comment dépendant na ba médicament na ngina biso que nzamba na posa mo maladie wana ezwa ezwa lo biko pe vine kota na kati ya délivrance bien aimé zo landanga na kati ya vine oboti bana na kati ya bana no muta matia zate. Oboti bana bayo kakayote na kata famille no muta tonga kazate bozalo ka ba rekabite na ngina biso ke beneme ba limite ba tela kio na niveau ba fondement négatif ya famille obota ma famille oyo kuti mezali obota ma famille oyo bokoko ezali obota ma na famille oyo bazobi na kati ba kodia ba koko ba virabe étoile ba pesa yana mina liboso yenda domina ka famille ba le reste vina bien za tuna kata tatonement atoko ti libala suka mobali fo a décevoir yo bien aimé nzamba ebisinga et c'est fini cette situation. Nzambaza na posa a changé ma quoi ya vie na yo. Ozawana o se retrouve inspiré par Marie de nuit.
Ola la gaté na butu, olo taka toujours, ozo lien na batu, olo taka na katia ba tombe, olo taka na ba esprit ba mari de nuit, ba femme de nuit. Bien aimé, Dieu a besoin, ya ko restauré yo. Okouté na problème, ya fragilité, ya ba masturbation, o linga ke esprit waneti kayo, mais oza toujours dépendant na ba force wana. Zamba yebisinga, aza na posa bikisa yo. Parce que année au 2024, eza année ya restauration, eza année ya changement. Quand j'ai prié le Seigneur, zamba yebisinga lobi, eza na batu mususu, ba koubo lukoba kota nda. Bakobi ko consulter ba maman Honda bakobi ko consulter ba marabou na ba niveau ba bene ba Gabon parce ba monique yeso to prendre bango salaté menengna bisayo soki yeso bango kufa et c'est le mien parce que mon Dieu m'a dit il y a des choses o nzamba linga revendiquer na kata peuple na ye cela veut dire bakobi ko bakobi ba retrograde bakobi ko songa sima pour ba situation eso ko empirer mais nzamba yebisinga soki on diminue le bana so ba na kata ozo la nanga na yebisinga soko na butu soko na moy soko na tongo nzamba yebisinga niveau so liloba o Tika te épaisse yo vie peut être transformé yo au côté de la carte de délivrance, ça sera pour la gloire de Dieu. Alors l'homme de Dieu, avant de vous libérer, je suis tombé sur cette nouvelle. Bureau à ses sacs prend à titre des mesures conservatoires un acte portant suspension du pasteur ougandais Baraka Mugisho pour 70 jours sur tous les médias opérant en RDC. Le concerné est prié de se rendre au secrétariat d'instruction du CESAC. Ne pas signer décision Oyo. Donc pasteur Baraka Mugisho tout monde dans la télévision au fin tout tout fait maman labino. Au fin la partie intime, c'est ça qui quand même interdit hier les caté dans les médias tout ça. Rolo bani. Mais c'est monsieur Oyo Azo Kosala Sony, il y a pas pasteur Mugisho. Mais oui, il n'est pas un homme de Dieu. Comment un homme de Dieu peut insulter les gens dans les médias? Ça c'est ça montre que Ezan a problème. Il a un problème. C'est pour cela il doit être encadré. Mais Aza prophète mounene, Aza l'église. Il y a beaucoup. Na Kinshasa, na Uganda. Il y a beaucoup de gens qui se présentent pasteur, prophète. Baza basa l'anzambe, te ba pour bébisane moussa l'anzambe, ba pour étouffer, ba o baso sa l'anzambe na ninga solo. Donc, quand on dit que jamais comme on a nzete ya mandarine et bota manga, ça annonce que moutoza na sema sans zambe, est-ce qu'il peut permettre qu'on injurie batou en public? Un homme de Dieu. Papa, nous sommes arrivés où? Mosala nzamba comme un niveau d'audacité libosa télévision fingabat. Mais c'est grave, ça montre directement que c'est pas loin de Dieu. Est-ce qu'il y a discuté? Il y a pas discuté. Et oui, il doit être recadré. De ça ben infiltré. Pas de infiltré sont des gens qui sont venus pour fragiliser makambo nzambe, pas fragiliser évangile. C'est ça. Alors, il est suspendu à Olegasouté. Mais oui. Voilà, merci. Au petit numéro de téléphone. Mon numéro c'est plus de 143 81 86 19 786, c'est le numéro des prophètes de Réga, l'homme des quatre vérités, plus 243 81 86 19 786. Le Seigneur vous bénisse, vous tous. Amen. Voilà, on est ensemble, clin d'œil spécial à Mimindoumé depuis Mouching là-bas. Papa Sila Nzanga, la France. Papa Sila Nzanga, la paix, merci. Le conseiller Papa Philippe Kaboui Kouna Fribourg depuis Switzerland. Sema Mayasi, femme légitime, agency Mayasi. Forza Italia, les célèbres Dienzundu na Washington, grand frère propre, merci pour tout. Alors, abonnez-vous, commentez, partagez les liens. On est là. Bye et au prochain rendez-vous.